Good morning, Ale Yiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin Perek Zayin Mishnachet. Hamechalel et Hashabbat. Bedabar Shechayavin al Zdono Karet, Val Shigegato Chatat. Hamechalel Aviv Eimo, Enochayav Ad Sheikalelem Beshem. Kilelam Bekinoui, Rabbi Meir Mechayev, Vachachamim Potrein. On continue à détailler les différents chiyuvei skila, les condamnations à la lapidation, avec à présent encore deux nouveaux interdits. Le premier c'est Hamechalel et Hashabbat, celui qui transgresse le Shabbat. Mais quel type de transgression doit-il faire? Bedavar Shechayavin al-Zdono Karet, Val-Shigegato Chatat. C'est uniquement sur des interdits qui sont sur lesquels on est passible de chiyuv Karet, parce qu'on a fait Mezid, Val-Shigegato Chatat. Et sur l'ashgaga, lorsqu'on a transgressé par malencontreusement, par manque d'attention, on aura un chiyuv khatat uniquement sur cela. Alors, s'il y avait des témoins qui nous ont avertis, on sera khayav ce qu'il a à exclure. Tout d'abord, il y a dans Shabbat certains interdits qui sont des interdits de lave, mais qui ne sont plus interdits par la Torah. Par exemple, l'interdit de mechamer, faire travailler son animal le Shabbat. C'est un interdit de la Torah. Autant que je n'ai pas le droit de travailler moi-même, je n'ai pas le droit de faire travailler non plus mon esclave, je n'ai pas le droit de faire travailler mon animal, c'est explicite dans la Seret HaDibrot, dans les 10 commandements. Avdecha, Vametecha, Vechol, Bemtecha, Bemtecha avant même. Et alors là, par exemple, si je fais labourer mon animal, si je suis dans la rue et je veux porter quelque chose et je le pose sur mon animal pour que l'animal le porte, le transporte à ma place, je transgresse un interdit de la Torah, certes, mais plus, il n'y a plus de chiyuv ce qu'il a, puisque c'est plus moi. Il n'y a plus de chiyuv ce qu'il a, ni de chiyuv karet, ni de chiyuv khatat. Chiyuv khatat, c'est un korban qu'on transgresse le Shabbat Beshogeg. D'accord? Ensuite, autre cas d'exécution à la lapidation, Amekalel Avi Eveimo, celui qui maudit son père et sa mère. Eino Chayav Achekalelem Beshem. Il ne sera passible de mort que s'il les maudit en mentionnant le Shem Hashem. Il ne lui dit pas uniquement toutes sortes d'insultes en lui souhaitant du mal, mais lui dit qu'Hachem te fasse ça, en lui prononçant le Shem Hachem. D'accord? Le Shem Hachem, le Shem... Vraiment le Shem Hachem. Kilelam bekinoui Rabbi Meir Mechayev vachachamim potrin. Si il les a maudits en mentionnant un kinoui, c'est quoi un kinoui? C'est qu'il n'a plus explicité le Shem Hachem, mais uniquement en le traduisant. Le fait de dire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas le nom d'Hachem. Littéralement, ça veut dire le Saint béni soit-il. Akadosh, il est Kadosh, Saint. Baruch Hu, qu'il soit béni. Que le maître du monde, il lui dit que le maître du monde lui fasse ça et ça et ça. Il souhaite ça à son père. Alors là, puisqu'il n'a plus appelé, explicité le Shem Hachem pour le maudire, selon Tanakama, il ne sera pas Chayav ce qu'il a. Et selon Rabbi Meir, il sera malgré tout Chayav ce qu'il a. D'accord? Ouais, c'est ce qu'on appelle Kilelam Bekinoui. Elle a fait par un kinoui. L'Echanot, ça s'appelle un qualificatif. D'accord? On a fini la Mishnah. On fait à présent le Barthénois. Ad Sheyekalelem Beshem, Bechad Minashemot Amiyuchadim. Jusqu'à qu'il les maudisse en explicitant le nom d'Hachem par l'un des noms qui est Meyuchad, qui est spécifique à Hachem. Soit, il y a quelques discussions sur ça dans les Rishonim. Définir exactement quel est le Shem Hashem. On connaît bien sûr le Shem Yud Kevav Ke, le Shem Adnut, le Shem Elohim, le Shem Kel Shakai, Hashem Tzvakot. Il y a des discussions exactement à définir quel Shem exactement, qu'on appelle les Shemot Ameyuchadim d'Hashem. Et voilà. Afulorag, maintenant, donc sur Bekinou, maintenant, si c'est qu'il est là, Bekinoui, s'il a maudit son père et sa mère, ou sa mère, par un Kinoui uniquement, par un qualificatif, comme par exemple Rachum, Chanun, El Chapaim, que le Rachum, c'est intéressant, il utilise le mot le miséricordieux, le maudisse. Bon, je sais pas pourquoi il a choisi ce nom, il a choisi le Ishmil Chama, comme il est marqué dans la Shira. En tout cas, Bekinoui, Rachum, Chanun, ouais, c'est des qualificatifs d'Hachem, El Chapaim, malgré tout, il ne sera plus possible de mort selon Chachamim, la Chet établie comme Chachamim. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.